Bonsoir, messieurs, dames. Alors, ce soir, nous sommes dans le cours 102 d'art dramatique avec Philou Dingo, votre serviteur, malgré tout. Hier, je vous ai parlé d'une relation amoureuse et même, je vous ai décrit des trucs. C'était dur, hein. Très dur. Très dur pour mon moral, voyez. Très très dur, parce que je sais que les gens sont très sensibles à ces problématiques entre hommes et femmes, et que automatiquement le moindre mot qu'on dit, la moindre chose, ça prend des proportions terribles. Et donc pour moi, ça a été la séance la plus difficile. Oh oui. Mais enfin, je ne suis pas mécontent de moi, puisque j'ai eu quand même des gens qui m'ont félicité, qui ont trouvé que c'était bien. Ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à le dire aussi, hein. Il n'y a pas que ceux qui sont contents, qu'il faut qu'ils s'expriment. Voilà. Alors, ce soir, j'avais des idées comme ça pour vous parler. Parce que finalement, ce que je vois le plus, le peuple est révolté en ce moment par les injustices sociales, on va dire, les injustices qui se passent dans notre société, on va dire. Voilà, la société, vous voyez, elle fonctionne actuellement, notre société, elle fonctionne. Et il ne faut pas incriminer les gens. Quand ça fonctionne mal, ce n'est pas la faute à autrui, si vous voulez, mon sentiment. Quand les choses fonctionnent mal, c'est parce que nous ne savons pas les résoudre. C'est-à-dire, moi, Philou Dingo, quand quelque chose tourne mal dans ma vie, ce n'est pas la faute à autrui, c'est de ma faute à moi. Je m'explique. Comment on peut expliquer ça? Vous voyez, quand, par exemple, on vous trompe, est-ce que c'est la faute de celui qui vous a trompé ou est-ce que c'est de votre faute que vous vous êtes laissé tromper? Vous comprenez? Si vous rejetez sans arrêt la faute sur autrui, vous n'arrivez pas à comprendre. La prochaine personne qui va vous parler, elle va peut-être encore vous tromper. Et si vous n'arrivez pas à distinguer, à faire le distinguo entre une personne qui vous trompe ou qui ne vous trompe pas, ce n'est pas parce que vous allez rejeter la faute à autrui que vous allez résoudre votre problème. Donc, quand on a des problèmes, il faut s'introspecter. Si par exemple, actuellement, on voit tant de mouvements sociaux, les gens ont l'habitude de rejeter sur autrui la faute, le problème qu'ils ont personnellement. Et ça, c'est une erreur. À mon sens, c'est une erreur. Une grosse erreur même, je dirais, de l'être humain, de croire que ce qui lui arrive est de la faute à autrui. Toujours. On veut changer les autres. On veut changer les gouvernements, on veut changer les patrons, on veut changer les... On veut tout changer, sauf soi-même. Alors que ça serait beaucoup plus simple de se changer soi. Et vous n'avez plus de problème, vous voyez ce que je veux dire? Non. Tenez, prenons par exemple le cas des gens qui sont exploités dans le travail. Bon, ils n'ont qu'à tout simplement pas aller travailler. Pourquoi on accepte, dès le départ, d'être exploité? C'est idiot. Vous voyez, l'idée de dire
on m'exploite dans le travail, donc je vais changer le patron qui m'exploite. Ça ne changera pas votre statut. Vous serez toujours exploité par un autre, etc. Toujours, vous serez trompé, puisque vous n'arrivez pas à faire le distinguo. En quelque sorte, moi, j'ai réfléchi à toutes ces questions-là. Le peuple noir, l'oppression des gens, des peuples dans le monde entier. Pourquoi ils sont oppressés ? Parce qu'ils acceptent l'oppresseur. Et pourquoi ils l'acceptent ? Parce qu'ils sont manipulés par l'oppresseur. L'oppresseur leur fait croire que de lui obéir, c'est la seule et unique possibilité. Ce qui fait que l'ignare, parce qu'en fait ce sont des ignares tous ces gens-là, je ne veux pas les critiquer, mais il faut prendre à la source du problème où il est. Il est qu'un ignare, quelqu'un de naïf, va croire à ce qu'on va lui dire. Et donc il va se laisser berner par n'importe qui. Et c'est le travers dans lequel il ne faut pas tomber, il ne faut pas se faire berner par ceux qui veulent vous faire croire que la vie, c'est comme ils vous la proposent. Ce n'est pas du tout ça. La vie, c'est vous qui vous l'inventez, c'est vous votre propre maître. Si vous avez envie, vous ne... Je vous donne un exemple. Le peuple noir est esclave d'un tyran. Il n'a qu'à dire non. Moi, demain, je ne me lève plus pour faire ce que tu me dis. Qu'est-ce qu'il va faire, le gars ? Vous croyez qu'il va prendre le martinet, il va me tuer. Après, ça restera tous des gens qui ne lui obéissent pas. Il ne pourra rien en tirer. Moi, si on me tue demain, on me tue, mais au moins je serai mort droit, comme Martin Luther King, vous voyez ? Martin Luther King, il a décidé de combattre la violence par la non-violence, c'est-à-dire en n'acceptant pas ce qu'on lui propose. Simplement, voilà, moi j'accepte pas ce que vous me proposez et je fais ma vie comme je veux moi. Tout simplement. C'est pour ça que les gens qui vous manipulent ont des intérêts différents du vôtre. Il ne faut pas, faut pas les écouter, il faut apprendre à comprendre leur jeu, de façon à ce que vous ne tombiez pas dans le panneau. C'est le sens du cours d'art dramatique. C'est pour ça que je vous explique depuis une heure que tout ce que vous entendez depuis plusieurs cours, depuis le début de mes cours, je vous explique que tout ce que vous entendez dans les médias peut être vrai, peut être faux. Ça n'a aucune importance, ce n'est pas eux qui vont diriger votre vie, c'est vous qui allez diriger votre vie. Par rapport à quoi ? Par rapport à vos propres connaissances scientifiques, vos propres éducations, votre propre morale, votre propre sens de la vie. Vous n'acceptez pas ce qu'on vous propose, vous n'acceptez que ce qui est scientifiquement approuvé. Alors il faut faire des études, évidemment. Il faut passer son temps, c'est ce qu'on dit aux enfants, aller à l'école, parce que si vous n'allez pas à l'école, vous deviendrez des esclaves de ceux qui vont vous manipuler, etc. Et ce que je constate, c'est qu'il y a une désinformation de partout. On ne vous forme pas, on ne forme pas les gens comme ils devraient être formés normalement. Et ça, ça va changer. Ça va changer parce que maintenant, on a des moyens informatiques, on a des moyens de télécommunication. Par exemple, moi, je peux vous parler. Vous voyez, je suis un individu. J'ai aucun moyen, pourtant je vous parle. Je peux... Les gens, les scientifiques peuvent se manifester. Le professeur Raoul s'est manifesté sur YouTube. Il a expliqué son point de vue scientifique de la chose. Les autres, ils parlent, ils n'ont pas, ils ont rien étudié, ils parlent. Où ils vont. Voilà. Comprenez que ceux qui vous parlent doivent avoir étudié le cas. Moi, j'ai étudié mon cas, mon art dramatique. Ça fait 30 ans que je l'étudie. Je suis un scientifique là-dedans. J'ai écrit un livre. Je me fie à tous les scientifiques avant moi qui ont étudié cet art. Et j'en parle
en connaissance de cause et j'affirme ce que je dis par rapport aux preuves que je vous montre. J'ai toute une lithographie auquel vous pouvez vous référer. Je suis un scientifique des relations humaines, si vous voulez. C'est pour ça que je me permets de vous parler en tant que scientifique et non pas en tant que chroniqueur, journaliste, etc. Je ne suis pas du tout un journaliste ni un chroniqueur. Je ne dis pas ce qui me passe par la tête au hasard comme ça. Philou Dingo, c'est un professeur d'art dramatique. Voilà. Et un professeur d'art dramatique, il faut 30 ans pour former. On ne devient pas professeur d'art dramatique comme ça, par hasard. Il faut travailler tous les jours pendant 30 ans. Voilà. J'ai une lithographie. Vous pouvez aller sur mon site, vous voyez tout ce que j'ai fait dans ma vie. Vous comprendrez que j'ai tout fait. Voilà. En quelque sorte, j'ai 10 métiers, moi. Vous voyez ? J'ai été dans le sport. J'ai fait le sport jusqu'à 26 ans à un niveau très élevé. Après, j'ai fait les sciences, l'université jusqu'à 26 ans à un niveau très élevé. Après, j'ai fait l'artisanat commercial à un niveau très élevé aussi, une dizaine d'années. Et j'ai fait la comédie aussi. J'ai appris 20 ans, 30 ans la comédie. Je veux dire, et j'ai appris la psychologie, évidemment, avec tout ce qui va avec la comédie. Je suis un être comblé sur la Terre, scientifiquement. On ne peut pas faire mieux. Franchement, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. Bien sûr, j'ai sacrifié ma vie. J'ai tout sacrifié dans ma vie pour être ce personnage. Je n'ai pas eu une vie de vacances. J'ai jamais eu de famille. Je ne me suis jamais orienté personnellement pour moi. J'ai toujours été dans un esprit d'études, de compréhension du monde, etc. Ce qui fait que lorsqu'on a des problèmes actuels, je pense avoir la réponse et la solution. La réponse et la solution se trouvent en nous, et non pas dans les autres. En nous, c'est-à-dire que à chaque problématique, il faut toujours se fier à des scientifiques, à des gens corrects, pas à des journalistes, pas à des menteurs, pas à tout ça, à des gens vraiment scientifiques. Il faut lire les sciences, il faut comprendre tout ça. Et sur des modèles scientifiques, vous pouvez vous faire une idée du monde, de ce que c'est, et vous pouvez vous baser. Voilà. Il en va de tout pour les oppressions, etc., dans le monde. Quand un homme est oppressé, il faut qu'il se forme, qu'il devienne fort, qu'il devienne capable d'apprendre son métier, de devenir capable. Lorsqu'il est capable, il sort de l'oppression, vous voyez. Quand, par exemple, j'ai appris le métier de couturier, bon, j'étais un incapable au départ. J'étais l'esclave, on peut dire, du travail parce que je ne savais rien faire. Mais quand, au bout de 10 ans, j'ai appris mon métier tous les jours, après j'étais le roi. Voilà, dans la vie, c'est ça. Au début, on est un esclave parce qu'on ne comprend rien. Et pour s'en sortir, il faut apprendre le métier pour devenir le roi dans son métier et pouvoir ensuite rayonner. Voilà, c'est la conclusion de ce soir. C'est-à-dire que tous les gens qui se plaignent, il faut qu'ils apprennent à se détacher du monde et à devenir leur propre gouverneur de façon à ne plus subir la tyrannie extérieure. Et les autres ne pourront pas vous sauver. C'est que vous qui pourrez. Par exemple, moi, si j'étais apprenti couturier et que j'aurais demandé aux autres de me sauver, personne ne peut me sauver. Il n'y a que moi. Hein ? On peut me dire ce que tu veux, on ne me sauvera jamais. Il n'y a que vous qui pouvez vous sauver vous-même. Voilà, c'est vrai dans toute chose. Dans la maladie, c'est pareil. Il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. Et pour ça, il faut faire appel à des gens très, très qualitatifs. Quand vous faites appel à d'autres personnes qui vont vous guider, il faut que vous fassiez appel à des gens très qualitatifs. Un bon chef d'État, un bon chef s'entoure
de meilleures personnes, des gens très très capables. Un mauvais gouverneur s'entoure de cancres, vous le voyez de suite, hein, si c'est un bon ou un mauvais, à part la personne qui l'entoure. Voilà. Et moi, dans ma vie, je me suis toujours entouré de gens qualitatifs, c'est-à-dire j'ai étudié des gens qui avaient déjà, etc. Je me suis toujours appuyé sur ça pour ensuite progresser moi-même. Voilà, je vous remercie pour ce soir. C'était une espèce de révolte intérieure parce qu'il y a tant de gens qui se plaignent en ce moment des autres. On se plaint des autres au lieu de se plaindre de soi. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. C'était le 102e cours d'art dramatique. Réfléchissez, comprenez les choses. La solution vient de vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.